Donc, avec ma collègue Myriam Lakeli, nous avons toutes les deux consacré notre thèse au phénomène des conversions, mais dans une perspective inversée, si je puis dire. Pour ma part, j'ai étudié le phénomène des musulmans qui deviennent chrétiens évangéliques au Moyen-Orient, tandis que Myriam a abordé la question des conversions à l'islam en France. Et notre décision de consacrer un ouvrage collectif, un ouvrage collectif au prosélytisme, part d'un constat en particulier. Tout d'abord, la religion a fait un retour fracassant sur la scène publique mondiale depuis quelques années, pour diverses raisons. Et de nos jours, c'est l'islam et le christianisme qui connaissent le plus grand essor à l'échelle mondiale. En particulier, ce sont les mouvances salafistes et évangéliques qui sont les plus dynamiques. Et ces 30 dernières années, les évangéliques, auxquels je me suis intéressée, ont développé une activité missionnaire sur tous les continents, au point de bouleverser le paysage religieux mondial dans des pays aussi différents que le Brésil, la Corée du Sud ou le Nigeria. Quant à l'islam, il serait en passe de devenir la première religion mondiale du fait de sa démographie et des conversions. C'est aussi une religion européenne, à proprement parler, ce qui n'est pas sans questionner évidemment la gestion du vivre ensemble. D'abord, je vais faire un point de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que le prosélytisme? Alors, c'est une notion qui désigne de façon générale un zèle déployé en vue de rallier de nouveaux adeptes à une religion ou à une cause. Mais ce terme de prosélytisme tend à prendre une connotation péjorative, et c'est parce qu'il sert souvent à désigner l'ardeur à convertir un individu à ses idées pour tenter d'imposer ses convictions. Alors, pourtant, le prosélytisme à l'examen est une notion bien plus ambivalente qu'il n'y paraît, et de ce fait très difficile à appréhender. Alors en France, il y a eu plusieurs tentatives de légiférer pour réprimer le prosélytisme, mais de manière significative, le terme prosélytisme lui-même n'a jamais été mentionné. Par exemple, dans un texte déposé au Sénat en 2012, il est évoqué un délit de harcèlement religieux. En effet, l'activité prosélyte ne peut pas être séparée de thématiques comme la liberté de conscience, et donc la question qui se pose à partir de là, comment faire le départ entre la libre expression de sa foi et l'empiètement sur celle des autres. Il est des religions qui semblent avoir réglé la question, comme le judaïsme et le catholicisme. En réalité, Sébastien Tank-Storper affirme qu'au sein du monde juif, les théoriciens du judaïsme n'ont jamais réellement eu de position claire sur le prosélytisme. Et de fait, il évoque une entreprise prosélyte qui a été initiée dans les milieux juifs libéraux nord-américains ces dernières années pour tenter de contrecarrer la désaffection qui affecte leur religion. De leur côté, les catholiques semblent avoir aussi tourné le dos au prosélytisme, à toute velléité prosélyte depuis le Concile Vatican II. Mais Jocelyn Tricou observe de quelle manière les mobilisations contre les théories du genre fonctionnent comme une sorte de croisade morale. Et lorsque les militants catholiques s'opposent à la légalisation du mariage homosexuel, ils veulent aussi initier un renouveau des mobilisations catholiques en France. Alors avec la France, la Suède fait partie des pays européens où la sécularisation est la plus avancée. Et dans ce pays, Émir Mayeddine montre que les évangéliques tentent de s'adapter à la culture locale et dès lors, ils privilégient une évangélisation de très longue durée. Alors, contrairement à la Suède, le monde arabe enregistre les taux de croyances religieuses les plus élevés dans le monde, si on en croit les études du Pew Research Center sur la question. Et depuis le 19e siècle, de nombreux prosélytes chrétiens rêvent de conquérir le monde arabo-musulman. Effectivement, l'islam, c'est et ça demeure donc le principal rival du christianisme sur la scène eschatologique mondiale. Et le monde arabe a toujours été rétif donc à ces entreprises prosélytes. Alors, dans ma contribution, j'analyse le développement du protestantisme évangélique au Liban et je montre que cette activité pose d'importantes questions théoriques sur le sens de l'engagement missionnaire.
Je m'intéresse en particulier au séminaire Alpha et aux tactiques missionnaires qui mettent en exergue une stratégie bien déterminée. Il s'agit de conquérir les âmes en nouant des liens de proximité avec les individus. Et donc, à cet égard, les missionnaires sont très hospitaliers, au sens le plus étroit, avec une tradition de repas collectif autour duquel s'ordonne le travail de prédication. De plus, au Moyen-Orient, des inquiétudes s'expriment sur la régression numérique des chrétiens, des inquiétudes qui sont avivées par le développement du mouvement extrémiste Daesh. Et lorsqu'il est porté à son point culminant, ce sentiment et ce complexe minoritaire peut créer une sorte de mentalité assiégée. Et pour les évangéliques, je remarque que cela constitue un motif supplémentaire pour accentuer leurs efforts prosélytes dans la région. Et je montre que les protestants évangéliques déploient des stratégies multiples pour s'adapter à la pluralité des profils auxquels ils font face. Et c'est bien dans cette plasticité du protestantisme évangélique, sa capacité à se mouler dans toutes les cultures locales dans lesquelles il s'installe, que réside, je crois, l'une des clés qui explique leur succès. Alors, il existe un autre pays arabe concerné par ces activités prosélytes, c'est le Maroc, auquel Katia Boisvin s'est intéressée. Mais dans ce pays qui est massivement musulman, elle observe que le protestantisme évangélique reste confiné aux migrations africaines et que les Marocains eux-mêmes en sont globalement exclus. Alors, dans le pays voisin, l'Algérie, les catholiques ont abandonné depuis longtemps toute velléité prosélyte et conversionnelle. Pourtant, certains sont toujours travaillés par cette tentation prosélyte. Et Marie Ballas a étudié le cas particulier de l'organisation italienne Saint-Égidio, qui a proposé ses bons offices en matière de dialogue interreligieux pendant la terrible guerre civile des années 90. Et il mêlait, selon cet auteur, prosélytisme soft et diplomatie. Mais le relatif échec de ces entreprises démontre pour Marie Ballas la difficulté qu'il y aurait à concilier diplomatie et discours religieux. Par ailleurs, le prosélytisme peut s'exprimer également au sein d'une religion lorsque différentes mouvances sont en concurrence. C'est l'analyse de Christophe Ponce au Cap-Vert, où il montre que l'islam confrérique soufi est concurrencé par l'idéologie du wahhabisme et du Jamaat Tablir, qui est un autre mouvement piétiste. Alors le wahhabisme, c'est un mouvement religieux ultra-conservateur, c'est la doctrine d'État en Arabie Saoudite, et qui est réputé alimenter l'islam radical. Et c'est à cette même question à laquelle s'est intéressé Loïc le Pape. Alors le prosélytisme djihadiste est bien ancré dans la modernité, il fait un usage abondant d'Internet, et Loïc le Pape s'est intéressé au mode de mise en scène de soi des utilisateurs d'Internet et leurs effets en matière de prosélytisme, des effets très ambigus. Effectivement, catégoriser une attitude de prosélyte, ça ne va pas du tout de soi. C'est ce qui m'amène à évoquer le concept de prosélytisme dans l'islam, que je me suis attachée à analyser, notamment dans l'introduction de l'ouvrage. En réalité, chose peut-être étonnante, il n'existe même pas en langue arabe de traduction exacte ou équivalente au mot prosélytisme. Si bien qu'on généralement on emploie le mot dawa qui signifie plutôt appel ou témoignage. Mais il faut savoir que les écoles théologiques de l'islam sont unanimes pour considérer que cet appel, ce témoignage, concerne les musulmans eux-mêmes pour revivifier leur foi, et il ne s'agit pas donc d'un appel à la conversion de non-musulmans. Mais il existe quand même, il a existé et il existe deux grandes organisations islamiques mondiales qui s'engagent dans le témoignage, la dawa, pensée comme prédication ou élan missionnaire. C'est d'abord la Ligue islamique mondiale, c'est une ONG islamique qui a été fondée en 1962 par le prince saoudien Faisal pour promouvoir le panislamisme à une époque de nasserisme et de nationalisme arabe triomphant. Et il existe aussi un deuxième mouvement qui s'appelle Jamaat Tablir,
dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on pourrait traduire par société de propagation de la foi, qui est un mouvement piétiste, apolitique, et qui a été fondé en 1927 par Mohamed Elias. Et le Jamaat Tabligh est souvent comparé aux témoins de Jéhovah parce que ces acteurs pratiquent le porte-à-porte. Mais généralement, ils se destinent à ramener des musulmans sociologiques vers la foi. Donc c'est là, je crois, la différence majeure entre les chrétiens évangéliques et les prosélytes musulmans, c'est-à-dire que les chrétiens évangéliques dirigent leur prosélytisme vers l'ensemble des individus, alors que ces organisations missionnaires musulmanes se destinent essentiellement à ramener vers le droit chemin, si je puis dire, des musulmans qui se seraient égarés. Alors, est-ce à dire qu'il n'y aurait pas de prosélytisme dans l'islam? Non, évidemment, la question, je crois, et la réponse est plus complexe que cela. C'est ce que constate aussi Fatia Amel Abbassi, qu'en Égypte, où elle a étudié la manière dont les frères musulmans utilisent la notion de dawa, à la fois comme un processus de mobilisation, donc sur un plan idéologique, et aussi de recrutement de nouveaux adhérents. Donc, c'est une actualité internationale qui alimente les questions et les débats sur le prosélytisme dans notre pays. Et l'histoire ici, je crois, éclaire ce rapport complexe à la religion, comme le démontre très bien Jean Bobéreau, du reste. C'est-à-dire que la France républicaine, pour dire les choses à très grands traits, s'est imposée au terme d'une lutte âpre contre une église toute puissante. Dès lors, dans notre pays, le poids de cette histoire pèse sur les consciences et aussi sur les prises de position des différents acteurs par rapport au domaine religieux. Donc la laïcité française inscrit la neutralité de l'État face aux religions et en même temps elle affirme la libre expression de ses convictions en matière religieuse. Cependant, cette dernière, donc la libre expression de sa foi, se heurte à la question de la visibilité. Et de fait, elle fait l'objet de restrictions plus ou moins appuyées dans certains domaines. Et là aussi, on constate que le prosélytisme apparaît comme un enjeu sociétal et politique de très grande portée. Alors, en effet, c'est aussi un aspect que j'ai évoqué dans cet ouvrage, une partie des médias s'émeut du caractère conquérant des religions, possiblement conquérant notamment de l'islam. Et ils décrivent un monde laïque qui serait inquiété par des religions dont le pouvoir grandirait sensiblement. Donc c'est un débat qui oppose, pour dire les choses encore une fois à grands traits, une laïcité ouverte au tenant d'une laïcité plus conquérante, on va dire, ou offensive. Et je cite un numéro du magazine Marianne, qui défend généralement une vision assez maximaliste de la laïcité, du printemps 2015, où le magazine propose un dossier sur les complices de l'islamisme, où sont stigmatisés tour à tour un imam controversé, le mouvement des indigènes de la République et la radio Beurre FM. Et de manière assez symptomatique, on voit que c'est surtout la présence de cette radio franco-maghrébine qui, à mon avis, pose question. Et de manière symptomatique, les auteurs de ce dossier considèrent que l'expression même d'une spécificité ethno-religieuse serait la marque d'un prosélytisme. Et un prosélytisme forcément militant qui pourrait attenter à la paix sociale. Mais par rapport à cela, ils ne prennent pas vraiment la peine, même pas du tout, de tenter d'en faire la démonstration. Donc, c'est dans le domaine scolaire, effectivement, que le débat se fait le plus virulent, notamment à l'école, et c'est ce qui intéresse Françoise Lorcery, sans doute parce que, comme nous l'a montré brillamment Bourdieu, c'est le lieu de la reproduction des classes sociales et de socialisation aux valeurs communes. Donc les écoles sont confrontées à une visibilité de plus en plus marquée des religions, notamment de l'islam, et il y a des voix qui s'élèvent donc pour faire appliquer une laïcité de plus en plus restrictive. Et c'est un phénomène qui prend vraiment une ampleur parfois étonnante, comme avec l'affaire de ces jeunes filles qui portent des jupes qui sont jugées trop longues et dont on affirme le caractère ostentatoire du point de vue religieux. Et pour Françoise Lorcery, la question de l'intention est au cœur finalement du problème, c'est-à-dire que les tenants d'une laïcité, je dirais offensive, émettent des doutes sur les intentions supposées cachées des usagers
de l'institution scolaire. Et il faudrait, à cet égard, dans cette perspective, court-circuiter le possible prosélytisme. Donc Françoise Lorcery met aussi ses développements sur le compte d'une histoire, on va dire, coloniale partagée, des réminiscences de cette histoire qui ne seraient pas totalement assumées. Alors, je vais pour finir dire deux mots sur mon travail en Algérie. Je propose quelques données générales sur le développement protestant évangélique dans ce pays. J'ai effectué donc une recherche dans le cadre de mon post-doctorat au Labex Aztèque. Donc, il existe en Algérie une loi qui a été mise en place, votée en 2006, qui prohibe le prosélytisme, mais même dans ce pays qui est moins avancé, on va dire, sur le plan des libertés démocratiques que le nôtre, l'application de cette loi est malaisée. Et effectivement, j'ai constaté que la quasi-totalité des procès intentés au titre de cette loi aboutissent à des acquittements, généralement. Et même lorsque les gens sont condamnés, c'est sur la base d'autres éléments, comme si on n'assumait pas réellement l'existence de cette loi, comme des troubles à l'ordre public. Donc le pouvoir algérien est très attentif à son image, j'ai pu le constater aussi au travers des entretiens que j'ai pu avoir avec certains responsables politiques, très attentif à l'image qu'il donne sur la scène internationale et ne veut surtout pas paraître comme un pouvoir qui attenterait aux droits d'une minorité, voire qui la persécuterait. Donc dans ce pays aussi, le poids de l'histoire joue à plein, avec d'autres modalités évidemment. Le prosélytisme chrétien évoque bien sûr l'histoire coloniale, et effectivement, l'activité missionnaire chrétienne apparaissait à cette époque comme le prolongement idéologique d'une domination multiforme. Et je publie actuellement un article dans Critique internationale où j'analyse les modalités de négociation qui ont permis à une communauté chrétienne autochtone en Algérie d'obtenir une reconnaissance qui a été chose faite donc en 2011. Et c'est une première hein, dans un pays massivement musulman. Je démontre aussi que les nouveaux chrétiens y sont parvenus notamment en faisant la démonstration en quelque sorte, en affirmant leur loyauté envers l'État algérien et leur pleine appartenance à la culture algérienne. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie de votre attention.